Bonjour à tous. Cristal, sur le lieu au Pérou, il va y avoir cette grande rencontre. Et pour vous partager que nous avons besoin de vous maintenant pour nous aider à concrétiser eh bien, ce rêve qui a été rêvé par beaucoup de personnes pour l'évolution de l'eau. Nous allons faire des offrandes et prier pendant 7 jours pour nos eaux intérieures, mais aussi pour les eaux de la planète. Célébrer l'eau et pour la remercier. Et pour ça, nous avons créé ce lieu qui nous a été demandé de faire. Et on appelle vraiment à votre bon cœur, votre générosité, pour participer à cette rencontre, à votre mesure, à vous, avec vos moyens, à vous. Nous avons besoin pour pouvoir réaliser dans la matière cette rencontre. Il y a ce premier cercle qui va être dédié à l'eau, mais aussi à ce qu'on appelle le cacao, puisque nous sommes entourés ici de cacaotiers. Nous pouvons nous rendre compte avec ces temps actuels que nous oublions de remercier la nature. Nous pensons qu'elle nous doit tout, mais en réalité, la nature, elle nous donne tout avec plein d'amour, sans condition, de manière inconditionnelle. Alors maintenant, c'est à nous, je pense, de la remercier et de vraiment lui offrir et de la célébrer dans sa grandeur. Nous, les humains, nous avons oublié de prier les éléments. Nous avons oublié et perdu ce sens sacré de la nature. Aujourd'hui, retrouvez-le. Retrouvez-le en communion parfaite avec nous pour cette grande rencontre au mois de juin au Pérou, ou de manière physique, ou de manière énergétique, vibratoire. Il suffit de méditer, de prier pendant ces temps pour pouvoir être avec nous énergétiquement. Et c'est grâce à vos dons que vous êtes là. Vous allez être là pour nous aider et nous soutenir dans ce projet. Il y a donc ce premier cercle à finir de réaliser dans la matière afin que les grands-mères, les grands-pères et les participants puissent avoir un petit peu d'ombre. Ici, il fait 28 degrés toute l'année. Il va y avoir ici un cercle médecine. Ici, nous allons avoir donc le salon et puis l'endroit où nous allons manger. Et vous pouvez voir que c'est encore en construction. Vous allez nous aider puisque vous sentez vraiment cette aspiration peut-être à venir nous voir à ce moment-là au mois de juin ou peut-être plus tard au Pérou et de venir voir vraiment la concrétisation dans la matière de votre aide financière, de votre participation énergétique ici qui vont être faits avec des toiles de tente pour les grands-mères et pour les personnes qui vont aider pour la rencontre. Il y a donc besoin de choses primaires comme des toilettes, des douches, la cuisine pour manger. Et je vous partage, on célébrait ensemble que nous puissions rêver ensemble de cette nouvelle humanité avec votre participation qui est essentielle. On appelle à votre bon cœur. Alors vous avez à cœur de vouloir partager avec nous, faites un don, les petits ruisseaux font les grandes rivières, partagez cette vidéo. Merci à vous.